Bonsoir. La pièce que vous venez d'entendre s'appelle La sonnerie de Saint-Roch. Et ce que vous venez d'entendre a été composé en 1820, très exactement, donc par Antoine Reicha. Antonín Reicha est né à Prague en 1770, ville qu'il a quittée très vite pour aller étudier avec son oncle, Joseph Reicha, qui en 1785 était le maître de chapelle à Bonn pour le prince électeur. Et c'est à Bonn que Reicha a fait la connaissance, évidemment, de Beethoven, qui lui est né également en 1770, mais qui quittera Bonn en 1792 pour Vienne, alors que Reicha quittera Bonn pour Hambourg en 1794, avec l'arrivée des Français à la suite de Napoléon. Et à Hambourg, Reicha rencontrera beaucoup de Français. Il avait la chance de parler français et tout le monde lui a dit « il faut que vous alliez à Paris, c'est là que ça se passe, c'est là que vous vous ferez connaître comme compositeur ». Reicha va à Paris en 1799 et c'est un peu l'échec. Il essaye de faire jouer ses opéras, ça ne marche pas, mais il écrit un tas de pièces, il essaye d'écrire un traité à l'usage des pianistes, qu'il appelle des remarques philosophiques avec des exemples pratiques, qui sont restés à l'état de manuscrits. Pour finir avec Reicha, sa biographie, comme ça vous aurez tout, puis après on reviendra sur ce cahier. Reicha quitte Paris en 1802, il va à Vienne pour travailler avec Haydn, on aura l'occasion d'expliquer un peu pourquoi, et puis là il revoit évidemment Beethoven, mais leurs chemins sont très différents. Il publie un cahier très connu à l'époque qui sont les 36 fugues, et on peut penser que si Beethoven a intégré beaucoup de fugues dans ses sonates par la suite, il le doit à Reicha, mais Reicha revient à Paris en 1808 et là, il connaît une carrière glorieuse, on peut dire, puisqu'il est nommé professeur au conservatoire, puisqu'il a la Légion d'honneur, puisqu'il devient membre de l'Institut et finalement, il est enterré au Père-Lachaise en 1836. Donc voilà, vous savez à peu près tout de Reicha. Il est plus connu de nos jours par les traités qu'il a publiés, un traité de la mélodie en 1814 et puis un traité d'harmonie et puis un traité de contrepoint, et puis finalement un traité de composition vocale, en particulier pour l'opéra. Les pièces que vous allez entendre aujourd'hui, en fait, sont restées à l'état de manuscrit. Reicha ne gagnait pas sa vie comme compositeur. Chaque fois qu'il avait un peu d'argent, dit-il, il faisait publier une partition. Alors à l'époque, il a écrit 24 quintettes avant, qui sont sans doute son œuvre la plus connue, 24 quintettes avant, qui étaient jouées par tous les amateurs de la musique à cette époque-là, donc début 19e. Et Reicha est un des rares compositeurs à être mentionné par Balzac dans la Comédie humaine, à l'égal de Rossini. C'est vous dire sa gloire à l'époque. Reicha a composé un certain nombre de symphonies qui ont été très connues. Il a composé 4 opéras qui ont été joués et qui tous, pour des raisons diverses, ont été des fours, des échecs. Voilà. Mais on a ces manuscrits que j'ai trouvés tout à fait extraordinaires lorsque je me suis intéressé à lui et que j'ai proposé de faire connaître à Valentin. Parce qu'il me semble qu'il y a une dimension par anticipation, comme on dit les oulipiens par anticipation, une dimension oumupienne par anticipation. Et donc j'étais ravi de faire connaître ces partitions à Valentin qui tout de suite a dit bah, écoutez, on va les faire entendre. Alors je vous propose d'entendre tout de suite une deuxième partition de Reicha qui est radicale puisqu'il s'agit d'une fantaisie sur un seul accord. On est donc en 1800, autour de 1800 très exactement, c'est pas daté. Et puis en fait, il a écrit cette fantaisie un peu comme un premier mouvement de sonate. Donc je donnerai peut-être quelques éclaircissements en cours de route. Introduction. Super. Récitatif. Premier thème. À l'unisson. En canon. Strait. Thank you.
j'avoue que je m'ennuie un petit peu. Deuxième thème. Harmoniser. Développement. Citation de Rameau. Chorale à quatre voix. Deuxième thème. Évidemment, c'est radical, c'est systématique, et en même temps, ça tient debout. Il n'y a pas du mi majeur à un moment ? Ça n'est que du mi majeur. Je sais que ce n'est pas toujours de bon ton d'essayer de faire des correspondances entre contraintes littéraires et contraintes musicales, mais ça m'évoque à la fois des contraintes lipogrammatiques très très dures, comme par exemple le monovocalisme, ou également des tentatives dites à la limite, comme ce fameux poème d'une seule lettre de François de Lyonnais, je crois, mais je ne suis pas sûr. Poème. En l'occurrence, c'était un T, mais enfin, on peut le faire avec n'importe quelle lettre. Imaginez-moi 25 variantes. Ou What a Man de Pérec, par exemple, aussi, pour les monovocalismes. Alors, un accord, c'est une chose, et puis on va peut-être aller un peu plus loin, on va essayer deux accords. En musique, on se sert donc de deux accords principalement, l'accord de tonique, en mi majeur, pardon, et puis l'accord de dominante, qui, comme son nom l'indique, implique qu'on va en mi majeur. Alors, il y a 12 notes sur un piano, et donc on peut faire 12 accords de dominante. Et la boucle est bouclée. La boucle, chérie, ça s'appelle le cercle harmonique. Le cercle harmonique, ce qu'on appelle en solfège aussi le cycle des quintes, évidemment. Et Reicha va proposer une fugue qui est basée sur ce principe du cercle harmonique. Alors Reicha est le grand spécialiste des fugues. Je crois qu'il y en a quelque chose comme 80 dans son œuvre. Celle que je vais vous jouer est extraite des 36 fugues qui ont été publiées à Vienne en 1804 et dédiées à Joseph Haydn. Alors, les modulations vous seront signalées par mon collègue Martin Granger.
Quelque part, Reicha est évidemment resté dans l'ombre de Beethoven, qui était le grand concurrent. Et paradoxalement, c'est lui qui a contribué à faire connaître Beethoven beaucoup à Paris, bien qu'il le mentionne très rarement dans ses écrits, mais parce que c'est lui qui a formé tous les élèves qui, par la suite, ont été capables de jouer ou même de comprendre Beethoven. Reicha a eu comme élève, parmi les plus connus, Berlioz, évidemment, Liszt, quand il avait 22 ans. Il a eu Gounod, beaucoup, et César Franck quand il avait 11 ans. Et je crois le vrai successeur de Reicha, c'est César Franck, avec cet intérêt pour le canon, pour le contrepoint, pour toutes ces choses-là tout à fait extraordinaires. Et Chopin Chopin, sur les conseils de Liszt et de ses amis, Chopin a pris une leçon avec Reicha et il a écrit une lettre après à son ami Elsner en disant « Je suis désolé, mais Reicha, ça ne va pas du tout, il n'arrête pas de regarder sa montre pendant le cours. Donc, on ne peut pas travailler avec lui. » Peut-être parce que c'est un cercle. Mais alors, Reicha quand même dit dans ses mémoires qu'il était très copain avec Beethoven quand ils étaient adolescents, puisqu'ils étaient dans le même orchestre. Beethoven était l'organiste de la cour et Reicha jouait de la flûte. Et Reicha, avec une ambition, c'était d'être compositeur déjà, et son oncle lui interdisait. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est parti. Il a étudié en secret. Mais Beethoven... a pratiqué finalement les mêmes choses que Reicha. Il est passé par les mêmes chemins, puisqu'on parle de chemin harmonique plus tard. Et Beethoven a écrit une œuvre qui n'est pas très connue, qui s'appelle Deux Préludes, opus 39. Alors, opus 39, opus 37, qui est probablement l'opus le plus connu autour, c'est le troisième concerto pour piano en ut mineur. Donc, c'est vous dire qu'on n'est pas loin. Mais on pense que Beethoven l'avait composé beaucoup plus tôt, c'était en 1789, une année très importante, puisque c'est l'année où Beethoven et Reicha se sont inscrits à l'université de Bonn, qui venait d'être créée, et ont étudié entre autres la philosophie avec Kant. Alors, Beethoven a écrit ses deux préludes, on a choisi le deuxième, je les ai suffisamment dignes de sa musique, puisqu'il leur a donné cet opus 39, il les a un peu retravaillés, bien sûr. Thank you.
Je pense que c'est une sorte de passage obligé, d'exercice obligé pour être compositeur à l'époque. Il fallait avoir fait le tour de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, évidemment c'est basé sur ce thème-là, qu'on entend partout, mais à un endroit... C'est le miroir exact, ça monte un peu, ça monte beaucoup, ça descend un peu. Ça descend un peu, ça descend beaucoup et ça remonte. Et Beethoven le fait entendre très clairement. C'est un peu pour donner une comparaison, quand vous prenez le programme de la soirée et que vous tournez la page, c'est un peu l'équivalent en fait. Tout est pensé. Un peu plus loin, Beethoven donne les deux en même temps. C'est là aussi un procédé de contrepoint très connu, le miroir, le palindrome. Et dans les pièces de Reicha, mais plus tardives, en 1825, on a une feuille d'album. À l'époque, ça se faisait beaucoup. On écrivait un autographe pour quelqu'un. Et pour un de ses élèves, il a écrit une harmonie rétrograde. Donc, y a deux façons en fait, de renverser une musique. On peut la renverser en hauteur, c'est-à-dire que les aigus deviennent les graves et inversement. Et on peut la renverser dans le temps, c'est-à-dire horizontalement. Voilà, le début devient la fin et la fin devient le début. Alors là, ce à quoi Reicha procède, ben, on va d'abord le jouer et puis après on en parle peut-être. Rétrograde en fait, c'est difficile. Alors on vous propose de le réentendre et de l'écouter deux mesures par mesure, par deux mesures, et avec à chaque fois un petit carton de couleur. Donc séquence 1, séquence 2, séquence 3, et on va le faire. J'aimerais simplement vous montrer la fin de la partition que j'ai recopiée donc d'après le manuscrit de Reicha, où vous voyez qu'en fait les dièses qu'on avait à la clé au début de la partition, pour ceux qui lisent la musique, se retrouvent en sens inverse. Et ce que Reicha ne mentionne pas, c'est que par ailleurs, la main gauche et la main droite, dans la seconde partie du morceau, sont également inversées. Donc tout ce qui est aigu se retrouve grave et inversement. Alors voilà, on va essayer d'expliciter un peu la chose, c'est pas évident, mais on a fait beaucoup d'efforts. Et du coup, j'ai compris une chose. En fait, pourquoi
Reicha est venu retrouver Haydn à Vienne, c'est parce que Haydn s'amusait déjà lui-même beaucoup avec ce genre de jeu. Et ce qu'on trouve dans une sonate pour piano de Haydn, une sonate en la majeur de 1773, dans laquelle il y avait pour moi une énigme, puisque Haydn écrit un menuet à Rovescio. Alors voilà ce que ça donne, il joue, il écrit ça. Rovescio, ça veut dire revêche, quelque chose. ça veut dire à l'envers. En italien, c'est le revers en tennis, par exemple, le rovescio, le miroir, à rebours. On est censé deviner la fin, c'est ça? Alors on va essayer. Hein. Japonais. Alors, je vois qu'il y a un, comme tous les menuets, ça s'accompagne d'un trio. Alors, si je te joue ça, qu'est-ce que tu vas me dire? J'essaye. Plus tard, à Vienne, même plus que 130, 1776 et 1936, Webern utilise ce procédé, évidemment, qui est un procédé typique de l'école sérielle, donc de Schoenberg, de ses élèves, Berg, Schoenberg. Et la deuxième variation de l'opus 27 est tout à fait inspirée de ce procédé, avec même des gestes extrêmes, puisque la main droite est là, et parfois la main gauche vient là aussi. Le miroir est évidemment cette note-là. Martin, tu as quelque chose à nous dire? Non, c'était après. Ah non, c'était moi d'abord. Oui. D'accord. Moi, j'ai pas grand-chose à dire ce soir, mais je profite. Oui, parce que en fait, je me disais, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire.
avec le logiciel d'édition musicale dont je me sers qui s'appelle GNU Lillipon. On avait dit qu'on ne parlait pas de logiciel. Ah bah écoute, tu me connais. Hein. Donc en fait, j'étais en train de taper une alors bah, on va la reconnaître peut-être rapidement. En fait, voilà, j'utilise la petite commande qui s'appelle rétrograde et ça me permet en 2-3 mouvements d'obtenir la réversion de n'importe quel morceau en fait quoi. Voilà. Et ça donne parfois des résultats assez intéressants. Jean-François. Je voulais dire quelque chose en fait. Ah. Une valse à l'envers, c'est une valse slave. Oui, mais alors tu fais du palindrome phonétique. C'est du palindrome phonétique. Vous savez qu'à l'UMUPO, il vaut mieux pas que je m'occupe de musique. Donc j'ai un domaine réservé, c'est les musiques populaires ou traditionnelles. Voilà, mes camarades me laissent bien m'amuser avec ce genre de sujet pas très sérieux. Je voudrais qu'on se transporte ensemble dans la Picardie du XVIIIe siècle. Vers 1770 précisément, et pas très très loin d'Abbeville, c'est-à-dire un joli petit pays, anciennement le comté de Ponthieu, et notamment à Caour, un petit village situé à 4 km d'Abbeville, Caour, village natal de Hugues Vernet. Hugues Vernet, alors pour se mettre un petit peu dans le contexte, vous savez que tout comme les marins bretons, les paysans picards avaient des chansons qu'ils improvisaient bien souvent, des chansons qui rythmaient les travaux des champs. Hein, et ça devait être un réel bonheur que d'être paysan picard à cette époque d'ailleurs, je pense. Une historienne et néanmoins amie, Dominique Foulon, qui est historienne picarde et très très passionnée par sa terre natale, a retrouvé dans les archives municipales d'Amiens une retranscription de cette œuvre de Hugues Vernet. Le foyage, qu'est-ce que c'est que le foyage? Foyer, c'est battre avec un fléau le blé mûr qu'on vient de récolter. Hein. C'est le foyage, c'est simplement ça. Et le foyage d'hiver, c'est qu'il faut savoir, pendant l'hiver, on a engrangé les céréales qu'on a récoltées au début de l'automne, et puis on les sort régulièrement pour les foyer quand elles sont dures. C'est une opération très 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 longue, ce qui explique d'ailleurs l'œuvre de Hugues Vernet, compte 11 000 vers. On va en écouter un petit extrait, parce que 11 000 vers, c'est beaucoup. C'était une opération extrêmement longue, le foyage d'hiver. Ces 11 000 vers, on va les écouter. C'est une poésie très étrange, très recherchée, on voit qu'il y a une exigence de la langue qui est assez rare dans les cas de poésie orale provinciale et a fortiori rurale. Hein, voilà. Donc on va écouter un extrait de ce foyage d'hiver. Que tu as enregistré sur le terrain toi-même, d'ailleurs. Que je suis allé récolter auprès d'un vieux paysan. Alors cet extrait, on voit bien que c'est quelque chose qui a rapport avec la moisson, puisque ça commence par « on baisse ciseau ». Le ciseau, c'est évidemment la faucille. Et avec l'accent, donc on baisse le ciseau, on coupe avec la faucille pour récolter les blés mûrs. Avec l'accent picard, ça donne on baisse ciseau. Et vous allez, bon, on va avec tout ça. On baisse ciseau. Un falot d'astre fait l'oube, un rétale de la déloube, à houle d'une
que mage ma janli, mais aube d'enfant et ou mal, et tanchera de relais ou le longtemps jeté, le balaira le relou l'entange. Et oh, et givane mage, âge, âge, évanique, et givane mage, âge, âge, évanique. On est dans la paysannerie, c'est la paysannerie, c'est le. Ça, c'est chose qui arrive. Rivaniste, patételi, un rameau rudrille qui est roux, un drageon mendie dans ses déj, un drageon mendie dans ses déj, ou bassem keba. Oh oh oh, ne dondo bassem keva, ne ti pa kaourter ton corps. Kaourter natal de Hugues Vernet. Keba un air au lal rapant sapant. Oh bassem keba un air au lal rapant sapant. Alors, ce qui est tout à fait troublant, c'est que Dominique Foulon a trouvé qu'en écoutant les 11 000 vers hein, de Hugues Vernet à l'envers, on se rend compte quand même d'une, ce qu'on pourrait qualifier d'une vaste supercherie qui pourrait comment dire, faire trembler un petit peu toutes nos connaissances musico-ethnographiques et enfin ethnomusicologiques. Et on va donc l'écouter à l'envers. Mais merci, Valentin. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, raconterai tout à capitaine avec mes sabots d'Odène. Oh, 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 avec mes sabots, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Pour cueillir du romarin, il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé, j'entends loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. L'amour est enfant de Noé, il n'a jamais connu de loi. Debout les années de la terre, debout les fleurs, ça doit la fin. Oasis, oasis, c'est bon, c'est bon. Donc, je me permets simplement de dire qu'on n'a là qu'un tout petit extrait du Foyage d'hiver de Hugues Vernet et que dans l'ensemble des 11 000 vers, nous avons retrouvé des pans entiers qui sont attribués à tort, on le sait maintenant, à des gens aussi divers que Georges Bizet, mais aussi Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Jeanne Masse, France Gall. Enfin, bon, il y a là de quoi faire trembler. Largement, si je travaillais à la SACEM, d'ailleurs, je ne serais pas très tranquille. Simplement pour vous redire encore mes remerciements chaleureux à Dominique Foulon. Dominique Foulon, une femme très très simple qui habite encore dans la baie de Somme, elle est assez âgée maintenant, mais si vous allez la voir, vous pourrez discuter avec elle, surtout elle qui discutera. D'ailleurs, elle a une conversation passionnante, quoique un petit peu monomaniaque. Elle est passionnée par sa terre natale et Dominique ne parle que du Ponthieu. Autre procédé, je pense que Reicha a inventé la grille en jazz. Reicha, dans ce fameux exemple à l'usage des pianistes, propose des enchaînements harmoniques et il a très peur qu'un certain ennui s'installe. Et donc, tonique dominante, ça va bien, on peut chercher autre chose. Et il propose des enchaînements assez incroyables que plus tard en harmonie, on attribuera à César Franck, ce qu'on appelle l'enchaînement de Franck quand on joue cet accord et quand on enchaîne avec celui-ci, par exemple. On joue celui-ci et qu'on enchaîne avec celui-ci, des accords très lointains. Et donc Reicha va proposer une grille d'accords, un cheminement harmonique à l'usage des pianistes qui voudraient improviser. Alors on a, avec Valentin, on a réfléchi un peu. Et donc on va vous jouer deux improvisations de Reicha et intercaler deux improvisations, deux écritures de Valentin sur la même grille harmonique. Donc. Thank you.
On a l'impression que Philippe Glass a connu Reicha. Son prénom à Reicha, c'est pas Steve hein, par hasard. Pas si vous avez remarqué, mais la deuxième improvisation que j'ai pu jouer, d'après le manuscrit de Reicha, toujours n'oubliez pas qu'on est en 1800, cette improvisation avait un rythme un peu curieux, un peu boiteux, et peut-être c'est la dernière chose sur laquelle on va s'attarder chez Reicha, il s'est beaucoup intéressé à ce qu'ils appelaient les mesures composées, des mesures qui sont composées non pas de 3 plus 3 temps, par exemple, ou 2 plus 2, comme la marche, mais de 3 plus 2, donc des rythmes un peu boiteux, où on peut dire c'est 6 moins 1 ou 4 plus 1, et il a écrit un certain nombre d'œuvres en s'inspirant de ce procédé, dont un final de sonate que je vais vous jouer maintenant, qui pourrait être de Haydn, si ce n'est ce procédé à 5-8. Il est précédé d'une petite note, on a parlé d'ethnomusicologie tout à l'heure, et Reicha justifie ce 5-8 par une danse qu'il aurait entendue en Alsace, très exactement, et qui se joue comme ça. Voici donc ce final de sonate 1800, manuscrit de Reicha. Thank you.
La danse à cinq temps a fait un grand détour et en fait est passée par la Russie, puisque par Sélarius, le maître à danser de l'époque, puis par Perrault, les célèbres maîtres de ballet, un compositeur en a hérité, et ce compositeur n'est pas moindre que Tchaïkovski, qui a écrit une petite valse pour piano, puis 72, et puis surtout le deuxième mouvement, la sixième symphonie dite pathétique, qui est quand même sa dernière œuvre, et dans laquelle le deuxième mouvement, une sorte de scherzo, non plus de valse, est à cinq temps. Alors on ne résiste pas au plaisir de vous jouer un petit montage, mais le deuxième mouvement de cette symphonie. Jean-François, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que Beethoven, lui, n'a jamais écrit de musique à cinq temps. Non. À ma connaissance, il n'y en a aucun. C'est bête parce qu'on pourrait y remédier très facilement. En fait, il suffirait de prendre un morceau dans lequel il y a par exemple six notes dans chaque mesure. On en enlève une et ça fait cinq. On peut en enlever une ou plus d'ailleurs, hein. Je dis ça comme ça.
peut en enlever deux même. On peut en enlever trois. Cinq par mesure, là ça commence à être un peu limite. Ou bien on peut en rajouter. Par exemple, si je rajoute une note entre chaque note. Ou deux. Quatre. 5. Un peu plus. Encore un peu plus. Allez, encore un peu plus. Allez, encore. Je savais pas jusqu'où tu allais. C'est pas grave. Il y a matière à faire beaucoup de concerts encore avec tous les manuscrits que nous avons de Richard. Un certain nombre ont été édités, ils commencent à être exploités, maintenant explorés, la musique de chambre aussi en particulier, mais c'est rare dans la musique de chambre qu'on obéisse à de telles contraintes, évidemment, c'est la liberté du pianiste. Et puis, voilà, je crois que... Il y a beaucoup de choses qu'on voulait montrer à faire avec les manuscrits de Villeneuve aussi. Non, mais il y avait un morceau très intéressant qui est écrit pour deux pianistes. Il y a un piano qui est en si bémol majeur, qui est en ré majeur. Alors, chez Reisha, ils ne jouent pas ensemble. Mais je me suis dit, non seulement on peut les faire jouer ensemble, mais on peut même en rajouter un troisième à la limite. Donc, il y a du ré majeur, il y a du si bémol majeur et il y a même du fa dièse majeur. Et c'est avec ce petit galop tritonal pour six mains, mais seulement quatre fesses, vous comprendrez très vite pourquoi, que nous conclurons cette soirée. Thank you.
Au nom de l'UMUPO, je remercie Jean-François Balèf de bien avoir voulu participer à cette soirée avec tout ce que ça comporte. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui sera le mardi 9 juin. Merci bien.